Hi bitches! Voilà. Ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo. Je suis désolé, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je vous mets mon Instagram juste ici, voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis rasé avec la barbe complètement pour me faire un make-up un peu plus artistique que ce que je fais d'habitude. Et j'ai la repousse de ma barbe en fait qui a été catastrophique. J'ai eu énormément de boutons et du coup j'ai préféré ne rien mettre sur ma peau, hormis des soins et compagnie, pour récupérer ma barbe en fait telle qu'elle était de base. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas posté depuis plusieurs semaines. Je suis désolé, mais je reviens en force. Oui. Et aujourd'hui je reviens du coup avec une petite vidéo routine skincare. Voilà. Parce que le maquillage c'est bien beau, mais il faut savoir aussi se démaquiller, prendre soin un petit peu de sa peau quand même. Donc j'ai préparé tous mes petits ustensiles, mes petits bordels là, ici juste là. Et du coup je vais venir vous les présenter et me les appliquer sur la tronche. Voilà. C'est parti. Alors première étape. On va déjà s'humidifier la tronche hein, avec de l'eau. Hein. Il n'y a pas non plus, ça peut être un remède. Hein. Hop. On mouille sa vieille tête. On humidifie. Moi, je vais venir prendre un spray floral de chez Avril. C'est de l'eau de rose, si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais venir en mettre un peu partout, bien imbibé hein, ma tronche, on s'en fout, ça coûte pas cher. Ah oui, nouveauté aussi. Alors je vais vous parler un peu de ma chaîne aussi, puisque j'ai amélioré plein de choses. Alors déjà il n'y aura toujours pas d'intro, hein. Le Hi Bitches, c'est une copine qui me l'a demandé, du coup je l'ai fait. Je vous montre même pas ce que je suis en train de faire. Donc la première étape pour ma peau, je vais utiliser le Total Cleanser chez Fenty Beauty. Hop, c'est le nettoyant en profondeur que moi j'aime beaucoup. Hop, j'en mets pas énorme hein, sur la peau, c'est vraiment pas pratique ce truc. Oh, c'est hyper épais, c'est trop génial. C'est pour ça déborde toujours. Hop, donc moi je prends le petit truc Fenty, je travaille légèrement entre les doigts. Et ensuite je vais me l'appliquer du haut sur la tronche. Ah, on sent un petit moment circulaire. Mais je me mets aussi sur la barbe. Ah. Comme un noir peut devenir blanc. Ah, j'ai bien un miroir. Une nouveauté de ma salle. Alors les nouveautés, c'est pas non plus des nouveautés de psychopathe. Hein. Calmez-vous les gars. Maintenant j'ai un retour en plus, hein, voilà. Malgré le fait que je filme avec mon téléphone, j'ai trouvé la solution pour avoir un retour. Oh, j'adore tellement la sensation de ce produit. Alors, c'est trop génial. Genre, ça mousse légèrement juste ce qu'il faut. Voilà. On va bien les narettes du nez. Hein. Oh, on va nettoyer en profondeur, on va nettoyer. Hein. Voilà. Ensuite il faut rincer, donc moi toujours avec mon petit gant de toilette, hop, je vais venir retirer l'excédent. Donc du coup je disais quelques petits changements sur ma chaîne. Alors chose qui ne change pas, je n'aurai toujours pas d'intro. Puisque j'en ai rien à faire, voilà, ça je vois pas le enfin, non, voilà, pas d'intro. Le planning des vidéos ne change pas, ce sera toujours le mercredi et le dimanche. Toujours mercredi et le dimanche. Et qu'est-ce qui change pas d'autre? Je vais toujours faire du make-up, hein, évidemment. Ensuite, la petite nouveauté qui va arriver, c'est peut-être que je me suis un peu plus formé sur YouTube par rapport au montage des vidéos et compagnie, machin, donc normalement ce sera d'une meilleure qualité avec plus d'éléments à l'intérieur, donc en gros je vais me faire un peu plus chier pour le montage de mes vidéos. Bitch. Ah oui, bah oui. On a forcément qu'on a déjà vu.
J'ai mon. Là-bas, j'ai mon logo. Voilà, je me suis créé un petit logo. Me suis créé un petit logo. Ah oui, j'ai changé aussi la forme et le contenu de ma barre d'infos. Donc, je te laisse aller voir si tu vois vite fait 2 secondes. Dans cette barre d'infos, du coup, je mets le descriptif de la vidéo, ce qui est normal, si je me trompe pas. Après, je mets aussi, du coup, les liens pour mes différents réseaux sociaux auxquels je suis actif. Ensuite, je fais un listing aussi assez détaillé des produits que j'utilise. Voilà. Donc, après, en fonction de vidéo, bah, les produits vont changer, évidemment. Les pinceaux, beaucoup moins, toujours pareil. Et après, je mets quelques liens aussi en fonction bah, dans la description. Voilà, des liens utiles que moi, ce sont des produits que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Et du coup, bah, je vous conseille d'acheter. J'ai pas encore de lien d'affiliation, si jamais. Hein, voilà. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, non. Après, on verra si d'ici l'année prochaine, je suis un grand youtubeur hyper connu. Peut-être que maintenant, j'aurai des liens d'affiliation, mais ça. Je ne sais pas encore. Voilà. Là, nous sommes le 10 mars 2021. Je ne. Voilà, y a rien du tout là, pour l'instant. C'est. Nada que chihuahua. Donc voilà. Donc, après avoir nettoyé mon petit visage ici, je vais venir maintenant, moi, prendre mon scrub. Mon scrub aux 7 herbes de chez Herborian. Un petit focus, top, merci. Donc, mon scrub de chez Herborian. Hop, pour les lèvres. Non, il est bientôt vide. Et je vais venir du coup me scrubber. Il sent trop bon ce produit. On dirait presque du miel avec du sucre à l'intérieur. Ça fait un effet un peu miel comme ça, j'adore. Donc du coup. Oh! What a girl are you doing? Donc là, voilà, mes lèvres sont toutes scrubbées, elles sont toutes douces, comment on dit? Toute remise en forme, voilà. Après, du coup, ce magnifique scrub, je vais venir appliquer mon baume à lèvres de chez Avril aussi. Parce que c'est celui que je mets en ce moment, il nourrit bien les lèvres. Moi qui ai un problème assez aigu de lèvres gercées. Alors, du coup, là, vu que j'ai nettoyé ma peau, du coup. Je vais juste m'appliquer de chez Herborian toujours le Black Scrub Mask. C'est un masque au charbon. Tout ce qui est plus ordinaire, j'ai le nez qui coule, je suis désolé. Je vais juste m'en appliquer ici. Ah, maman, elle coule. Ça coulait beaucoup là. Tu fais une autre Mexi, hein. Mec, c'est cool. Juste hop, voilà, m'en appliquer ici sur le nez. Donc ça, c'est un masque qu'il faut appliquer sur peau nettoyée, propre. Nettoyée, propre, c'est d'une logique. Donc sur peau propre, laisser poser 3 minutes. Et là, attendre, c'est ça, de ces. Oh là là, ça y est, voilà. 2 semaines sans tourner une vidéo, je sais plus comment faire. Il a un temps de séchage. Très rapide, il met 3 minutes à sécher, donc il faut laisser sécher 3 minutes. Une fois qu'il est sec, après il faut mouiller un peu les mains et frotter pour dégager les saletés en fait. Et après il s'en va tout seul. Pas besoin de rincer. Moi je rince toujours parce que je préfère. Mais comme ça au moins, vous voyez un peu ma routine skincare complète, totale, et que je fais pas tout le temps. Hein. Parce que faire des masques, des scrubs, tout ça, machin, faut pas le faire tout le temps parce que ça arrache la peau. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'ai fait exprès, du coup je me suis gardé pour la vidéo, donc du coup là, c'est bah, c'est le moment, donc là je donne tout. Donc je vais laisser petit 3 minutes et après on va rincer. Vous m'avez même pas dit que j'avais pas mis
mon décor derrière. Comptez sur personne, hein. Putain. Ok, on file. Une fois que du coup j'ai rincé mon Black Mask de chez Herbarium. Hop. Ce que je change là, c'est que je m'applique un masque hydratant déjà sur la tronche. Parce que bah, pas besoin d'hydratation. Hein. Si on veut éviter les rides, on hydrate sa peau, les filles. Donc moi, ça fait un an que j'ai le même produit que j'attends dès qu'ils finissent. Je pense que je vais en racheter d'ailleurs. Vous allez voir, il me reste plus des masses. C'est... Oh, putain, c'est vrai qu'ils sont bons ce truc. C'est le masque hydratant Uology de, chez Unique. Voilà, je crois que c'est 50 balles, pour mon souvenir, le... je sais plus combien ça coûte. La gamme Uology est topissime, donc du coup, si jamais, n'hésitez pas. J'ai un ami qui fait Unique, je pense que je vous mettrai son lien boutique en barre d'infos aussi, pareil. Comme ça, vous pourrez regarder et faire un peu des tests. Et je vais voir un peu les prix, surtout. Donc là, j'ai posé mon masque hydratant à la coco, si je ne me trompe pas. Je vais le laisser poser 20 minutes, après je vais me rincer et après je vais finir du coup ma routine journée make-up. Voilà. On se retrouve juste après ces 20 petites minutes avec une transition magnifique, merveilleuse. 3, 2, 1, écran de fumée. J'ai une peau toute belle et hydratée maintenant. Ensuite, pour commencer à terminer quand même cette routine, j'ai un méga bouton là. Si vous allez le voir, j'ai un méga max ces boutons. Il me commence à me faire un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour terminer cette routine beauté, je vais ensuite prendre d'où le truc, il est là. Ma Fat Water de chez Fendi Skin, qui est un produit révolutionnaire. Hop, je vais prendre quelques gouttes dans ma main. Je vais venir travailler un peu le produit, le chauffer, ensuite venir du coup l'appliquer sur ma peau. Si je sais que je vais sortir, je vais appliquer l'hydratant invisible de chez Fenty aussi, que j'ai, mais là vu que je vais pas sortir parce que j'ai prévu plusieurs tournages vidéo là. Ah, mon collier. Je vais du coup mettre hop, le gel Hydra Végétal de chez Yves Rocher. C'est un gel crème. Gel crème, hydratation non-stop, 48 heures. Donc je vais venir juste en prélever, hop, un tout petit peu, hein, pas trop, parce que c'est ça a un effet vraiment gel. Et une fois qu'on l'applique sur la peau, ça a un effet assez ça fait un peu comme de l'eau en fait. La chaleur, hop, il coule, venir hop m'entartiner, pardon, sur mon petit visage de rêve. En me massant bien de l'intérieur à l'extérieur, par contre, je fais toujours un petit massage facial. Ça, c'est le rêve, c'est le bonheur. Ça fait du bien, ça détend, vous avez pas idée. J'insiste bien aussi au niveau de l'arcade sourcilière pour la muscler un peu, mine de rien. Ça fait trop du bien. Et donc voilà, et je termine avec un petit vapeau d'eau de bleuet. Hop, qui est là. Un petit vapeau d'eau de bleuet. Hop, le chiffre rocher, que je mets au niveau de mes yeux surtout. Pour dégonfler les poches. Tout en dessous ici. Voilà. Ça sert, je pense que ça sert à rien, mais je sais pas trop ce qu'après c'est fait pour. Mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà, ma routine skincare de jour est enfin terminée. J'ai fini avec cette vidéo de skincare. Une des nouveautés, c'est que je te laisse du coup appuyer sur ce petit bouton là pour t'abonner à ma chaîne. Et ouais, je suis devenu un vrai youtubeur. Et de ce côté là, par contre, t'as des vidéos qui plaisent. Tu peux aussi à lâcher un petit commentaire en me disant ce que toi tu utilises sur ta peau en guise de routine skincare. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.